Bonsoir. Oh, bienvenue. Ça va maman? Ça va puce? Alors, je vous présente Adèle. Bonsoir. Et Julian. Enchanté. Vous êtes fiancé? Oui. Excusez-moi, non. Oui, maman, en fait, Giuliano, il est italien, donc il comprend, mais... Pas tout bien. Ah, italien, Milano? Non, Rome. Rome. C'est où? Ben Rome, ma chérie. Maman, tu connais Rome? Ah oui? Et bien sûr, tu y es allé, et pas qu'une seule fois. Même que la dernière fois, c'était juste avant que tu sois enceinte de cette petite chippie. Ah? Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Angela. C'est un nom italien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas italienne. Bien sûr que non, ma chérie. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Tu dis fiancé? Mais oui, c'est vous qui m'avez dit de ne pas faire comprendre. Non, non, on avait dit ami. On n'avait pas dit fiancé. Bon, ouais. Bon. Ok. Pas grave. Je vais pas aller. Toi, t'aimerais bien être sa fiancée. Et alors? Et ton lait? Là-bas. Avec ta mini-jupe, tu veux faire souffrir. Il faudrait nous voir. Ah, je comprends pas. Alors papa, plus de doute, t'es prêt? Oh, du calme Bertrand, on parle avant et après, jamais pendant. Et toi Adèle, tu fais quoi? Tu étudies? Oui, philosophie. Ah bien, une fille sérieuse. Ah oui, c'est une très bonne étudiante. Papa, il est bizarre. Qui ça, ma puce? Lui, là. Giuliano? Mais non, il est pas bizarre, il est seulement italien. Eh oui. Oui, mais malheureusement, il n'y a pas de pizza. Et même pas de pasta. Bon, je les mange toujours, donc c'est mieux. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on mange alors? Ta mère a préparé un repas délicieux, tu verras. Ouais. Ah, voilà Anne. On t'attendait. Oui, désolée. Salut. Salut ma puce. Ah oui, je vous présente Alice. Alice, voilà ma famille, mon père, ma mère et mon frère. Bonsoir tout le monde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est bizarre. Pourquoi tu dis ça? Mais il parle très mal. Oui, je suis italien. D'accord. Faut que je te parle. Bah, nous avons déjà une philosophe. Et toi aussi, Alice, tu es étudiante? Non, moi je travaille, je suis psychologue. Bon, bien. Alors, on peut toujours en avoir besoin, c'est sûr. Pourquoi tu l'as amenée ici? Je fais ce que je veux. Ah oui, donc t'es complètement conne. J'aurais pas dû. Mais non, t'aurais pas dû. Et pourquoi? Tu me le demandes à moi? Mais oui, mais t'as été clair. Tu t'en fous. À un moment pareil, tu sais ce qu'il y a ton papa. Toi, tu lui ramènes l'autre, là, mais à quel jeu vous jouez? Avec toi, c'est jamais le bon moment. Mais réponds, à quel jeu vous jouez? Tu verras. J'ai toujours voulu faire ça. J'aime le contact avec les gens, pouvoir les aider. Ah bien, moi aussi. Je vois que nous avons beaucoup de choses en commun. Comprendre, aider, comme dans une famille. Tiens d'ailleurs, je peux savoir ce qui se passe? Rien. Ah bon? Rien papa. Ok. Vous devez être fébrile, j'imagine. Eh ben, on a fait ce qu'on pouvait faire, hein. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. On dit partout que vous y arriverez. Moi aussi, c'est ce que j'entends. Ah, chérie, à part notre petit cochon, je crois que tous sont des électeurs ici, n'est-ce pas? Non, non, pas tout le monde, ma chérie. Je crains que Giuliano ne puisse voter pour moi. Oui, mais si j'avais pu, je vous aurais sûrement soutenu. Nu. Soutenu. Soutenu. Les jours ne m'arrivaient pas. Maman, tu vois qu'il parle très mal. Il est à l'école primaire. Bon, alors les enfants, parlez-moi un peu de vous, là. Je sais que ces derniers temps, j'ai pas été très souvent avec vous et je suis désolé. Mais non, papa, t'inquiète pas. T'as toujours été là pour nous. Oui, je fais tout mon possible. Mais je suis sûr que si j'ai survécu à vous, tout ce qui m'attend n'a rien comparé à ça. Ah,
Surtout à ta fille. Ah oui, laquelle? Mais qu'est-ce qui se passe, Bertrand, là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rappelle quand il était petit, tu te souviens, ma chérie? Quand il faisait la tête, là, il fallait jamais le contrarier, sinon il devenait insupportable. Et après, vous savez ce qu'il faisait? Papa, tu racontes cette histoire à chaque fois. C'est pas intéressant. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui connaît pas encore. Bah oui, dis-nous, il faisait quoi? Eh ben, il prenait un pistolet, là, un jouet, un style 19e, 18e siècle, là, un très long. Papa, laisse tomber. Enfin, bref. Il prenait le pistolet, il allait dans sa chambre, là, très fier, les yeux rouges, devant son miroir, la main sur le cœur, il pointait le pistolet solennellement, et il tirait. C'était il y a longtemps. T'es drôle, tu sais. Oui, tu me l'as déjà dit. Tu parles mal. Pourquoi tu ne comprends pas bien? Mais non, je comprends pas tout, mais je comprends. C'est parce que je suis étranger, mais si je parlais dans ma langue, toi aussi, tu ne comprendrais rien. Vedi, se io ti parlo così, tu non mi capisci. Eppure io sto parlando semplicemente, ma tu l'italiano non lo conosci. Ma questo non vuol dire che sei stupida. Allora, j'ai rigolé. C'est très bon, maman. Oh, merci, ma chérie. C'est gentil. Tu sais, papa, Alice a découvert une chose étrange il n'y a pas longtemps. Ah oui? Oui, depuis... Ah, à propos, papa. Je voulais te dire, tu sais qui j'ai rencontré à la fac? Attends, Bertrand, ne l'interromps pas. S'il te plaît, Alice, continue. C'est... J'ai su que... Dis-lui. Mais c'est quoi ce mystère? Mais dis-lui. Enfin, l'oblige pas. C'est que mon père, celui avec lequel j'ai grandi, n'est pas mon père. Pas exactement, pas biologiquement parlant. Et... Attends, c'est quoi? Vous êtes de crétine. Tais-toi. Je comprends pas. Mais c'est quoi ces manières? Bertrand et toi, Anne, vous croyez que c'est de bonnes façons de se comporter? Je te demande pardon, Alice. Si tu veux te confier à nous, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Tu peux tout nous dire. Peut-être que tu as besoin d'argent, non? Ça suffit, Bertrand. Papa, elle est venue nous raconter cette histoire à moi et à ton fils il y en a fait quelques mois, et elle n'est pas venue par hasard. Je les ai cherchées parce que j'ai su, et c'était ce qui m'avait le plus touchée, c'est-à-dire que ce sont mon frère et ma sœur biologique. Pourquoi t'as fait ça? Pardon? Vous êtes deux idiotes. Et toi, t'es lâche. Vous devez l'excuser, il n'est pas français. Mais vous pensez obtenir quoi exactement? Bon, ça suffit là, du calme. Qu'est-ce silence. Qu'il se passe? Rien, ma puce. Je suis désolée, les enfants, si j'avais su, j'en aurais fait plus. Il n'y en a plus. Je vous amène la viande. Ah, t'inquiète pas, chérie. Tu peux y aller. Je comprends pas. Je suis la fille d'Irène Doré. Vous vous souvenez d'elle? Mais de quoi il devrait se souvenir? T'as pas de preuves. Elle en a et tu le sais. C'est des conneries. Je comprends pas là. Depuis combien de temps? Depuis des mois. Et on n'aurait jamais attendu autant si ce n'était pour ton fils. Il voulait pas que tu le saches. Personne n'aurait dû le savoir. Mais savoir quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Admettons qu'elle dise la vérité, elle a rien en commun avec nous. Sans que toi. Mais je m'en fous du sang. Elle a rien à voir avec nous, elle veut juste foutre la merde. Mais tu sais que c'est pas vrai, mais papa, elle serait jamais venue chez toi d'elle-même. Elle voulait seulement nous connaître, nous, ses frères. De toute façon, à cette époque-là, mon père et ma mère, ils se connaissaient même pas. Pas de scandale. Mais donc, tu es aussi ma sœur? Oui. T'es pas notre sœur. T'es qu'une fille quelconque. Et bien sûr, il faut que ça arrive maintenant.
Toi, elle est étrangère? Ferme-la, toi. Bertrand. Elle a le même sang que toi. Et alors, je m'en tape. Bien sûr, c'est une fille quelconque pour toi. T'en mêle pas, s'il te plaît. Moi, je suis d'accord avec toi. Y a pas de lien. Mais tu vas te taire. Qu'est-ce que ça veut dire, le sang? Y a absolument rien en commun entre nous. S'il vous plaît, mes enfants, calmez-vous. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, toi? Rien. Comme elle, non? T'es ridicule. Ta gueule, toi. Tu te la taperais aussi? S'il vous plaît, j'ai besoin de réfléchir. Tu vas prendre leur parti à elle. Pauvre fille. Toi, t'es un pauvre con. Mais tu me veux quoi, là, putain? Moi? Rien. Absolument rien. Je sais même pas pourquoi je suis née ici. Plus je te regarde, plus je comprends. Ah, tu comprends quoi? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je m'en fous du sang. Ma mère m'a largement suffi. J'en ai jamais rien à foutre de connaître mon père. Encore moins de savoir si j'avais des frères. Comme nous deux, par exemple. La seule chose qu'on a en commun, c'est notre sang. Quoi? Vous vous souvenez de Samantha Abel? Je suis sa fille, et j'ai 19 ans. Allez, vous devriez vous en souvenir. Ça devrait pas vous surprendre autant. Papa, elle est née quand j'avais à peine un an. J'étais un bébé. Vous racontez quoi, là? Elle est aussi notre sœur. Toi aussi? Ouais. Quoi? Et voilà la viande. C'est pas possible. Mais alors papa, lui aussi c'est mon frère. Pourquoi tu dis ça, mon chou? Non, je vous assure, désolé, mais... Non, j'y crois pas. Comment t'as pu? Quoi? Je me sens pas bien, là. Qu'est-ce qui se passe, Bertrand? Comment t'as pu? Je viens de te le dire. Pour moi, c'est pareil. Je m'en fous du sang. En fait, je l'ai même fait exprès pour ça. Au moins quelque chose d'original. Pense bien que sinon, j'aurais jamais eu l'idée de sortir avec un type comme toi. Tu es restée le même, tu sais. Je t'ai reconnue tout de suite. Pourquoi es-tu venue? Sophie, s'il te plaît. Pour qui? Pour moi ou pour elle? Laisse-la tranquille. T'as vu comme elle est belle? Sophie. Qu'est-ce que tu veux? Il croit en être le père. Il est le père de tout. Écoute, calme-toi. Tu crois, mais c'est pas vrai. Elles ne sont pas toutes à toi. Repose-toi, ma chérie. Je t'en supplie.
Je suis désolé, Juliana, c'est une soirée un peu étrange. Oh, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, pour quelle raison es-tu venue? Ah bon, oui, c'était Bertrand qui voulait me faire connaître sa sœur pour voir si on pouvait s'entendre. Et bien maintenant, t'as l'embarras du choix. Ah oui. T'as compris ce qui s'est passé? Oui, oui. C'est absurde. Horrible. On s'est foutu de ma gueule. Bon, mais calme-toi, hein. Donne du pouvoir aux femmes. Voilà ce qui arrive. Attends, attends, lâche mes mains. Ok. C'est fini. T'as eu ce que tu voulais. Allez, dégage. Dégage! Comme t'avais promis. C'est ça la fin du monde! Les Mayas l'avaient prévu! La fin est proche! C'est pas comme ça que ça devait se passer. Tu t'attendais à quoi? Il faut qu'on reste unis. J'aime pas cette situation. C'est trop tard maintenant. Personne. Ah bon? Je sais pas. Et tu fais quoi? Je n'arrive pas à m'endormir toute seule. Ah oui? T'as besoin de quelque chose? J'ai peur toute seule dans ma chambre. Mais non, mais il n'y a rien de dangereux. C'est où ta chambre? Voilà. De quoi t'as peur? J'ai pas peur. Mais c'est toi qui l'as dit. Il y a toujours quelqu'un qui m'aide à m'endormir. Ah bon, aujourd'hui, c'est moi. Je peux savoir quand vous l'avez su? Mes parents me l'ont dit. C'était juste avant que ma mère meure, il y a quelques mois. Moi, j'ai toujours su. Ça fait longtemps que ma mère me l'a dit. Mais moi, je n'en savais rien. Et je vous crois. Non, je ne savais pas. Je crois que parfois dans la vie, on oublie certaines choses. Mais vous comprendrez quand vous aurez mon âge, peut-être. Vous voyez, ma femme est tombée malade il y a 8 ans. Et depuis quand Angela est née, elle oublie tout. Lentement. Vous allez penser que tout ça me donne le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qui m'attend. C'est pas vrai. Au contraire. Je suis prêt. Maintenant plus qu'avant. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas. Une berceuse. Une? C'est quoi? Une berceuse pour m'endormir. Ah, naninanan. Je ne connais pas en français. Si tu veux, je peux te le chanter en italien. Non, j'ai peur de ça. Il faut avoir vécu ces situations pour les comprendre et pour bien comprendre ce monde étrange qui nous entoure. La vie est bien plus incroyable que les romans. Ah bon, en français, je me souviens seulement d'une chose que m'a racontée souvent une personne que j'ai connue. Bon, je peux essayer de te la dire pour ce que je me rappelle. D'accord. C'est l'histoire de 3 petits cochons. Ah oui, je la connais très bien. Maman me la raconte toujours, cette histoire. Je n'étais sûr. Pendant ce temps, le troisième... Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils. Appela, pas appello. Ah oui, appela, oui, c'est ça. Bon, ne m'interromps pas, ok? La maman appela ses 3 fils et leur dit qu'elle ne pouvait plus les élever parce qu'elle était trop pauvre. 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 Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu te dormes, ok?
Je voudrais que vous partiez. Quand on a vécu tout ça, on se sent prêt à tout ce qui peut nous arriver. À partir de maintenant, je vais être là pour vous. Je vais essayer de vous donner ce qu'il vous faut. Même rattraper le temps perdu. Je sais, c'est pas simple. Mais je vais y mettre tout mon cœur. J'espère seulement que vous aussi, vous en avez envie. Cette merveilleuse vie nous réserve tellement de surprises. Tout ça nous a blessés, vous et moi, je sais. En ce temps, le troisième petit cochon qui était très rusé. Et grâce à ça, maintenant, nous sommes préparés à tout. Il posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit par la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde. Puis il repartit comme il était venu, par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui. Plus jamais. Mai Piu. La vie, c'est pas comme dans les films. Maintenant, nous le savons.